le rap entre l'époque et aujourd'hui, il a changé. Et moi, je rejette pas cette évolution. Au contraire, moi, je trouve que c'est quelque chose de kiffant. J'ai fait mes preuves comme Bumpy. Du street art comme Banksy. J'en rentre dedans à la pesée. Je suis dans le cosmos. Moi, j'aime bien ce format parce qu'il est facile à écouter déjà. Et puis, facile à réaliser aussi. De l'autre côté, c'est un peu moins long à faire qu'un album. Comme un Milton. J'ai jamais fait confiance aux humains. Ça fait un peu moins de 6 mois. Et que du plaisir. Pour un EP, c'était un petit peu long, mais j'ai kiffé. Je dynamite une parisienne. C'était un peu revenir un peu sur les expériences de vie que j'ai eues auparavant et en même temps qui permettent d'expliquer pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Donc d'où le titre ADN, c'est-à-dire c'est les expériences de vie qui font que je suis comme ça aujourd'hui. C'est un peu ça que je raconte. Je suis sur mon cheval blanc. Les morceaux où ça tabasse, mais il y en a un que j'aime bien parce que j'écoute beaucoup ça en voiture. Et celui-là, c'est vraiment spécial voiture, c'est Cheval Blanc. Voilà, elle tabasse bien. J'ai un œil qui pleure, je te surveille avec l'autre. J'ai un cœur de fer, comme la... C'est ADN qui porte le titre du projet parce que les sonorités sont pas faciles. C'était pas seulement l'écriture ou l'enregistrement du titre. Là, c'était vraiment la réalisation, la composition du morceau où on a dû recomposer peut-être 2 fois ou 3 fois. Et d'ailleurs, sur le titre, on est peut-être 6 personnes à avoir bossé dessus, tu vois. Moi, c'est un kiff d'être avec les rappeurs du moment, tu vois. Moi, je rejette pas l'évolution. Aujourd'hui, nous, on a eu la période qu'on a eue avec 113 et la mafia Kinfri et tout. On a eu notre période de phénomène, de nouveautés, etc. Et aujourd'hui, c'est leur tour. Elle me perce direct dans le Mercedes. Leto, c'est l'emoji billet avec des petites ailes, tu vois. Leto, c'est comment faire du cash facilement, tu vois. C'est, il est facile, il est fluide, tu vois. Sur le dernier projet, c'est Jalousie. Ah, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Coffee, je prends 100 pilons de charge. Pour moi, maintenant, c'est un ami, quoi. De l'inviter sur ADN, je savais que ça allait donner quelque chose de lourd. Et je me suis pas trompé. Et il est venu au studio. On a passé toute la nuit, jusqu'à l'aube, il faisait jour quand on est sorti. Et ça, ces moments-là, ça peut donner que des bêtes de morceaux, tu vois. J'ai beaucoup saigné le projet 21 et 21 Savage et Metro Boomin. Je suis vraiment rap US, quoi. J'écoute vraiment, vraiment énormément de rap US. On écoute les meilleurs. Voilà, quand on veut faire du gros son, on écoute les meilleurs. Chacun son métier, le mien c'est de ravitailler. C'est un petit jeune, plein de fougue que j'aime bien, c'est impliqué. Je sais pas comment l'expliquer, ça me rappelle quand vraiment nous, les mecs de la mafia Kinfri, on était dans le quartier, on rappelait la cité comme ça. Il y avait un truc comme ça brut et réel, vraiment sincère qui ressort. Et je ressens ça dans sa musique. De la haine dans mon ADN. Je kiffais bien le projet ADN. À écouter fort, très 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 fort en voiture. Voilà. Roulez doucement.